Alors attention, vétérinaire. Michel de Couteau, né le 15 novembre 34 à Saint-Vaud-du-Val, qui n'a pas présenté, qu'il faut faire. Elle vétérinait. Un matin, quand il s'est réveillé, elle vétérinait, il s'est senti qu'il n'était pas dans son assiette. Je l'ai mis de mauvais poil. D'autant plus, ça tombait mal, parce que ce matin-là, devait arriver un jeune qui sortait de l'école, une maison à Alfort, qui devait venir le remplacer, parce que lui, le lendemain, il allait partir en vacances, en joindre sa patronne, puis ses enfants, qui étaient en vacances au bord de la mer. Alors, pourtant, j'étais déterminé sur pied, il a téléphoné au médecin. Et le médecin est arrivé en demandant « Qu'avez-vous? Que ressentez-vous ?» L'autre, je l'ai mis de mauvais poil, parce que lui, pour lui, ceux qui sont malades, hein, parce qu'ils s'écoutent, ils étaient mal placés pour dire ça, parce que les bêtes, quand ils sont malades, n'ont pas qu'à s'écouter. Enfin, comme il n'avait jamais été malade, il ne mettait pas ça. Alors, il a répondu au médecin, « Dites donc, quand je vais avoir une bête, je ne demande pas au yuk à la mal. » Donc, il dit, le médecin, « Mais vous demandez au paysan si sa vache elle a bien donné autant que d'habitude, si elle a bien mangé sa revendre. » Ben, qui dit, le vétérinaire, pas toujours possible. Des faits, les gens sont partis travailler à la plaine. Il y a juste un petit baiser chaos comme ça, qui vient me montrer. Il me dit, est-ce que là qu'un malade, il ne sait pas m'en dire plus, faut bien que je me débrouille tout seul, et qu'a fait pareil. Le médecin n'a pas insisté. Il attendait le vétérinaire pour voir s'il avait la piocolaille. Un gâteau de blanc de l'œil pour voir s'il était pas, s'il gelait. Puis il attendait l'époux. Puis il a rédigé l'ordonnance, il a posé sur la table de nuit, puis cette navette. Aussitôt qu'il détournait les talons, le vétérinaire attrapa l'ordonnance pour regarder. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais l'écriture du médecin, j'ai du mal à la lire. D'abord parce que les écritures, souvent, c'est avec des pattes de mouc. En plus de gens, on utilise des mots que nous autres, on ne connaît pas. Mais le vétérinaire, il était tout dans les grandes écoles. Il écrit pas mieux que le médecin, et puis il utilise les mêmes mots. Alors, au nom de la, au haut de la page, il y avait le nom de la maladie. En dessous, j'étais marqué ce qu'il fallait faire comme traitement. Pendant un jour, faites ceci, faites cela. Et tout en bas de la page, j'étais marqué. Si dans 2 jours, il n'y a pas d'amélioration, demandez l'abattage. Ah oui.